Eh bien, salut tout le monde, c'est Joe le Magnifique avec Deacon le Bacon pour l'épisode 22 de Days Gone, au dernier épisode. Mon Dieu, c'était la guerre! La guerre! Mais on en est sorti vainqueur. Dick, Cependant, enfin de retour. on a toutes les raisons de Pourquoi tu veux, mais... croire que les Reapers en ont pas fini avec le camp de Iron Mike. Donc, on va se préparer dans cet épisode à attaquer tout le monde. Donc, on a une mission, question de confiance, ta nouvelle piole te plaît, provoquer Schizo. Donc, ça va être comique. On va commencer par ça. Ensuite, on va trouver les cordons de détonateur dans la cabane de Schizo. Protégez-les, protégez-les. C'est le même scénario, protégez-les. D'accord. Bon. Bon, on va commencer par aller chercher le fil du détonateur. Mais avant tout ça, évidemment, Qu'est-ce que je peux faire pour toi? on va s'équiper. Donc, juste avant. Quoi que tu cherches, je l'ai en stock. Mes armes, mes armes, mes armes, mes armes. Tuk, 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 tuk. Attends, qu'est-ce que j'ai en ce Ok. moment? Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Reviens nous voir de temps en temps. Je n'arrive pas à voir ce que j'ai. Les mutants. Attends. Excusez-moi. Ok. Donc, j'ai un vieil AK-47 pourri que j'ai ramassé. J'ai le Little Chubby, il va falloir changer ça. Et j'ai un sniper, ce qui me paraît idéal. Ok, fait qu'on va garder le sniper, on va reprendre le pistolet Salut automatique. Dick, alors comment ça va? Blair, comment tu vas? Non, non, c'est dans le casier. Dans le casier, on va reprendre le pistolet automatique, le SMP. On va reprendre. Ma méga mitrailleuse de la mort, c'est celle-là, hein. Yes, sir. Et. Ouais. On va garder le sniper, ça me paraît être Ouais. l'idéal. Bon, combien de munitions j'ai avec tout Hey, essaie ça? de passer plus souvent. Tu nous as manqué. Aucune balle. Ok. 66 balles. 6 balles. Ok, on va faire le plein, puisqu'on s'apprête à attaquer les gros méchants. On va faire le plein. Hop. Voilà, toutes les munitions du monde. Et là, comme j'ai plus Dick, rien dans ma comment va mon chasseur de sacoche, primes préféré? boum, Blair, 800 comment ça piastres, va? on recharge toutes nos munitions. Et voilà! J'ai des grenades flash. Il faut être niveau 3 pour acheter des grenades à fragmentation. On n'a jamais utilisé de grenades flash. Bon, allez, Ok. Hey ça m'intéresse pas. Les grenades flash, c'est pour Dick. les mauviettes. Bon, allez, on s'en va Fais gaffe à provoquer toi, Schizo, hein? on va lui taper sa J'étais au gueule. boulot. C'était mon dernier jour, en fait. Je bossais dans un petit café à Fairway. J'ai comme envie de lui casser quelques dents. On va voir si c'est possible. Où c'est qu'ils t'ont mis? Dans un cabanon? Je peux t'aider? Oui, laisse-moi rentrer. Ah, c'est une solution. Hey, Schizo, comment ça va là-dedans? Ta nouvelle piole te plaît? Dick! Dick, parle-moi, frangin! Tu sais pourquoi je l'ai fait? Primo, je suis pas ton frangin. Et secondo, ouais, je sais pourquoi tu l'as fait. Oh, Dick, allez! Putain, ne prends pas perso! C'était le seul moyen! Parle à Iron Mike! Dis-lui, s'il te plaît! Dis-lui que j'essayais juste de sauver le camp! C'est tout ce que je voulais, moi! Je te le jure! Oh, ça, je vais parler à Iron Mike. Et dès qu'ils t'auront condamné, je demanderai à ce qu'on te confie à mes bons soins. Boozer et moi, on te ligotera de nuit, on te laissera au beau milieu de l'autoroute et on attendra qu'une horde se pointe. Dick! Faut que tu me crois, frangin! À ton avis, qu'est-ce que ça fait de se faire déchiqueter et bouffer vivant? Dick! Je voulais juste arrêter Carlos, arrêter les Reapers et protéger notre camp! C'est tout ce qui nous reste, Dick! Tu sais quoi? Coupable ou non, je pense qu'on va quand même le faire. Au revoir, Schizo. Dick! Oh! Dick! Putain, écoute-moi, Dick! Je suis désolé, frangin! Je regrette! Je voulais pas le faire, mais j'avais pas le choix! Je voulais pas que ça se passe comme ça! Dick! Écoute-moi! Dick!
Ah, on va le laisser suinter son inquiétude. Ensuite, on a... Ouais, celle-là. OK. Dans la cabane à schizo, les cordons du détonateur pour que ça fasse boum. Je sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser les détonateurs sur les... sur les débiles. Faut que je trouve les cordons de détonateur. À la base, c'était censé être utilisé contre les zombies. J'ai pas envie Comment qu'on j'ai pu faire utilise confiance à ce connard? nos bombes sur autre chose. On a des plans d'avenir, nous autres, là. On veut sécuriser la zone. C'est un bon plan de faire sauter les grottes. Salut, toi. Ouh, qu'est-ce que c'est que cela? Ce qu'ils auront plus besoin de ça. Qu'est-ce donc que cette sorcellerie? J'ai récupéré une arme. Puis-je m'éloigner suffisamment loin pour sortir mes guns? Non, toujours pas. On va y arriver, on va y arriver. Je vais voir c'est quoi le nouveau sniper. Ah! J'ai plus de balles. Excellent, génial. On me donne une arme qui a pas de balles. Ouh, ça a l'air d'avoir un sacré zoom, dis donc. Ouais. Oui, c'est bien beau tout ça. Cependant, ben, moi, j'ai pas de balle, hein. Donc, tu m'obliges à faire demi-tour. Pourquoi il me donne une arme qui n'a pas de munitions? On me donne pas le choix, c'est stupide. Faudra que je la compare. J'espère qu'elle va être dans mon casier, cette arme-là. C'est pas juste une arme qu'on a récupérée temporaire. En tout cas, si c'est une arme qu'on a récupérée temporairement, c'est pas grave. On s'en débarrassera. On va reprendre le sniper. Il fonctionne. Je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir de mieux, ce Oh, sniper-là. Deacon, contente de te revoir. Montre-moi ça. Tout va comme tu veux, Blair. Non, ça compte même pas pour une vraie arme. Ah, de la merde, hein. Attends, t'es-tu en train de me dire? Ok. Hey, Attends. Dick, Les balles fais attention à que ta j'ai trousse. achetées. Attends, je trouve. Mais oui, mais ils m'ont volé mes balles, mais fais chier. C'est quoi ce jeu-là? Sérieux? Oh mon Dieu, que c'est débile. Dick. Bah alors, où t'étais Ben oui, mais on passé va pendant faire tout le ce temps? claim. Fusil de Comment tu précision, vas? 300 Ouais, piastres. sympa. Ok. Ah! Reviens nous voir de temps en Maudit temps. que c'est mal fait, sérieusement. J'ai fait le plein de munitions. On me donne une arme qui a pas de balle dedans, qui est une arme temporaire qui apparaît pas dans mon casier. Puis après ça, quand je m'en vais récupérer mon arme dans mon casier, les balles ont disparu. Ok. Ça, c'était trop compliqué, hein, de juste. En tout cas, excusez-moi, je suis salty déjà, ça commence bien. Ce jeu-là, c'est des vagues. Hein. Parfois, le jeu, c'est du génie absolu, puis parfois, c'est juste tellement mal fait. Ça me fait penser un peu à Mass Effect 3, sur cet aspect-là. C'est très, très accidenté comme qualité, Days Gone. Maintenant, j'ai plus qu'à ramener ça dans ma cabane sans être vu. En plein milieu de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a là? De toute façon, je sais même pas ce que le sniper il pouvait bien avoir de mieux que le sniper que j'avais déjà. Je veux dire, il one-shot déjà mon sniper. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mettre plus de balles dans le chargeur? Le faire recharger plus vite? Bon, il avait l'air d'avoir une meilleure lunette. Moi, ça tombe bien, il n'y a personne. Papa. Ça manque de sécurité, hein, ce camp-là. Alright. Ben, ok. C'est bon, je pensais qu'il voulait les utiliser contre
contre les débiles, mais apparemment, il est juste allé les chercher. Je vais voir Adi, qu'elle soit de mon bras. Je peux pas laisser ça s'infecter. Très bien, on va faire ça. On a aussi un autre camp de débiles, hein, ici. Ça rapporterait combien? 350, c'est tout. Il nous manque encore 12 000. C'est pas demain qu'on va être niveau 3. Hein. On sait ce que ça veut dire. Effectivement, j'ai pas envie de perdre mon bras, moi, avec. Oh. Je peux pas continuer comme ça. Ça va, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis véto, moi, putain. J'ai appris à soigner les coliques, les vomissements, les problèmes de sabot. C'est un sabot, ça, pour toi? Adi. Oh, t'as vu ce qui est arrivé à Boozer? Je peux pas faire ça. Hey. Les blessés, ils sont beaucoup trop gros. Ils agonisent. Adi. Deacon, je suis pas médecin. Ok, peut-être pas. Mais tu es tout ce qu'on a. Ben oui, tu fais de ton mieux. Les gens savent que t'es vétérinaire. Ils vont pas s'attendre non plus à... Donc Adi est pas docteur. Hein? T'es peut-être pas docteur, mais t'as sauvé la vie de Boozer. Pour moi, ça compte. Donc, est-ce que c'est l'arme dont je me suis débarrassé? Attends une seconde. Mais le gun que j'ai dans le dos... What? Attends. Je comprends plus rien. Pourquoi il y a un sniper qui traîne à terre? Pourquoi? Mais c'est mon sniper. Donc apparemment, il est moins bon, il fait moins de dégâts, il a une moins bonne cadence de tir. Il y a moins de pénétration, puis il y a 5 balles de moins dans le chargeur. Mais le jeu m'a redonné, à la fin de la cinématique, il m'a redonné le sniper. Tu vois, j'ai 15 balles. Il est plein. Plus il y a 10 balles dedans. L'arme spéciale. Donc oui, il est bel et bien meilleur. Mais il y a... Pas de munitions, par contre. Attends. Le jeu, il me mindfuck complètement, là. À chaque cinématique, mon personnage, il change d'arme tout seul. Qu'est-ce qui se passe, là? Oui, ils m'ont redonné le sniper. Bon, il est meilleur, mais j'ai encore perdu mes munitions, hostie. Mais c'est insane! Puis la version... Mais ça l'a dédoublé! La cinématique, elle a remplacé mon sniper toute seule! Quand j'ai repris mon sniper, ça l'a mis à terre. Il est là, il traîne à terre, puis il n'y a pas de balle, c'est pour ça qu'il est rouge. Puis la vendeuse est plus là. Il n'y a rien qui marche. Excusez-moi, il n'y a rien qui marche dans ce jeu-là. Pourquoi la vendeuse est plus là, là? Je sais comment elle m'a pas acheté des munitions de sniper. Ah, oh, je deviens fou. Bon. Salut Dick. Je suis allé inspecter les explosifs pour vérifier que les Reapers s'étaient pas servis, puis je suis allé chez Schizo pour voir les cordons de détonateur, mais j'aurais mieux fait de venir ici directement. Tire-toi d'ici, Ricky. On doit pouvoir faire sauter la grotte, non? Je viens avec toi. Quand j'étais gosse, mon père a trouvé un hydra sous l'un de nos cabanons. Tu sais ce qu'il a fait? Aucune idée. Il a attendu jusqu'au matin qu'ils soient tous endormis. Il a posé une planche au-dessus du trou et il m'a dit de prendre le tuyau d'arrosage. Et là, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit que le meilleur moyen de tuer des rats, c'est de les noyer. Tu vas faire exploser le réservoir en amont du camp? Ouais, c'est l'idée. Deacon, tu peux pas... S'ils veulent reposer en paix, je vais les aider. Deacon, tu peux pas faire ça. Pourquoi? À cause d'Iron Mike?
À cause de ce putain de traité? Je peux pas encadrer Schizo, mais il a raison sur un point. Carlos va pas s'arrêter. Les Reapers non plus. Et tu le sais. Et y a rien de personnel à ça? Un peu que c'est personnel. D'accord. Non, mais on peut les tuer à main, hein. Boozer, je me dirige vers la porte, t'es prêt? Je suis en avance, frangin. J'ai pas besoin okay, d'explosifs pour tuer les Reapers, moi, là. Puis elle est toujours pas réapparue. Est-ce que tous les vendeurs ont disparu? Vous quittez la zone de mission. Ok! Je me suis engagé dans une mission principale, je peux plus en sortir. Bon. Chouette fusil. Oh ouais. Un petit cadeau de Schizo. Rappelle-moi d'être là quand tu les rendras. Tu seras là, t'inquiète. J'ai l'impression que tout ça, ça va me coûter des points de confiance. Qu'est-ce qu'on va faire, notre fils de pute? Allez, on y va! On va pas laisser Iron Mike faire cadeau d'un procès, quand même. Non, pas question! Bon, c'est quoi le plan? Je connais bien la zone. Sarah, elle bossait dans un labo au sud d'Iron Butte Ranch. J'avais l'habitude de passer la prendre pour déjeuner. J'ai appris à conduire sur ces petites routes. Jesse! Carlos! Appelle-le comme tu voudras. Il contrôle l'ancien complexe de golf. Juste au sud du chalet, il y a le réservoir de Crescent Lake. Si on fait sauter ce barrage, le lac inondera toute la vallée. Et ils seront noyés, comme des rats. D'accord, mais le chalet, il est pas sur une colline? Ouais, l'eau l'atteindra probablement pas. Mais elle balayera le reste du complexe des Reapers et éliminera la plupart de ses hommes. Ouais. Si Jesse s'en sort, il nous verra même pas arriver. Exactement. Excellent plan. Bon, je préférerais tous les éliminer à bras. Reste plus qu'à trouver comment traverser la vallée d'Iron Butte sans se faire remarquer. Ça me semble être un plan acceptable. T'inquiète pas. On y arrivera. Accroche-toi. Ça va mal se terminer, cette histoire-là. C'est tout? C'est tout. Il y avait juste un dude. Ok. Allez, en selle! Yeehaw! On a des débiles à tuer. Patrouille de Reaper! Je les ai vus! Je te vois courir maintenant. Foiré de Reaper! Mettez-leur la misère! À votre tour! Il m'a tiré dessus! Boozer! Boozer! Repliez-vous! Ça y est. Fais pas le con, Boozer! Encore des Reapers! Putain, je m'en charge! Ouh, que vois-je? Tada! Oh, j'ai connu mieux.
Vas-y, je te suis. Ouais. Oh yeah. Ok, on a toutes les munitions du monde, c'est parfait. Malgré que le jeu ait tenté de me voler, de m'arnaquer. Donc, j'ai plus rien, hein. Des distracteurs, cocktail de santé, cocktail d'endurance, cocktail de concentration. Au moins, j'ai toutes les bandages nécessaires. Cocktail de santé. Je sais même pas ce que ça fait concrètement, cocktail de santé. Allô, j'aimerais savoir comment en fabriquer. Ah, je peux pas en fabriquer, je peux juste l'utiliser. Ok. Des cocktails de concentration, j'en ai un, c'est mieux que zéro. Dernière nouvelle. Ouh, oh non. Oh non. Oh, le char de police, il est fermé. Oh non. Allons-y. Voilà, je trouve quand même pas mal de stock. Ça vaut la peine de les looter. En cette période de vache maigre. Pardon, je sous-estime souvent la puissance de mon engin. Ok, hop. On traverse le camp des débiles. Il faut continuer au sud. Je te suis. Donc, ah, on est en terre inconnue. Parfait, allons-y. On a un barrage à faire sauter. Ils ont quand même bien décoré leur environnement, les Reapers, hein? Regarde ça. Tout temps d'ouvrage qui sert à rien. Ça va pas être du gâteau. Non. Ok. Hey, qu'est-ce que tu fous? Je pensais trimballer ce sac d'explosifs jusque là-bas. Et leur éclater la gueule, si ça les gêne pas trop. Loser. Toi, tu me couvres d'ici avec le fusil de schizo. Moi, je m'occupe des charges. Oh, attends. Bon, je gère. Je sers à rien dans les fusillades, mais je peux poser des charges. J'ai posé des explosifs, Boozer, en Afghanistan. Je sais exactement où les mettre. Super. Tu m'indiqueras la direction. On y va? Ouais. Ok. Ça me semble raisonnable. Bon, je vais monter dans la tour. J'aurai une meilleure vue du barrage. Je vais attendre jusqu'à ce que tu sois. Dans la tour. Cette tour-là? J'aurai pas une meilleure vue du barrage? Je vais être à côté du barrage, bon. Ok! Ok. T'es prêt? J'y vais. Oh, du kérosène. Ouais, baisse-toi et magne. Compris, frangin. Bon, oui. Non, oublie, allez, fonce! Donc, voilà, j'ai un silencieux, ça c'est génial. Voilà, ça dégage. Hop. Voilà. On doit poser la première charge. Tu vois le deuxième échafaudage? En haut du barrage? D'accord, j'y vais. Mais y'a personne? Ok, je pose la première charge. Bon boulot, Boozman. Continue. J'ai la main prise, là. Tu gères? Bien visé, Dick. Mais continue comme ça. T'arrêtes pas, Boozer. Allez. Je suis en train de poser la deuxième charge. Ok. C'est bon.
Ça va mal se terminer. Reaper, on approche. Ouais, ouais. Sniper. Je t'avais dit que je m'en occupais. Ah, il me donne des balles à l'infini, ça va. Dick? Je m'en occupe. Prochaine charge. Dans le cul. Ricky appelle ça une conduite forcée. Les gros tuyaux à la base du barrage. En position. Ok. La troisième charge. En position. Allez, bouge ton cul. J'aimerais bien t'y voir, avec une main et une lame. Bah, c'est toi qui as insisté. Y a des fois, j'aimerais bien avoir une lame à la place de la main. Oh shit. Tu t'en occupes? Je les vois. Joli. J'ai cru que ça allait être chaud. Bah non. Ouais, merci. Y'a rien. Quatrième charge. Donc lui est devenu expert explosif en Afghanistan. La dernière. Et à ma merci. Cours, Bowser ! Je vais aussi vite que je peux. Easy shit. Moi j'appelle ça un lundi matin. Allez ! Allez ! Tiens, t'as été libéré. Oh, nom de Dieu. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais. Ouais, je crois. Attends, il manque pas quelque chose? T'es vraiment un comique, toi. Ok, t'es bonne. En cas d'apocalypse, ne restez pas dans une vallée inondable, hein. Les barrages, ça a besoin d'entretien constant. Bon, essayons de trouver Jesse. Ouais. C'est vraiment un endroit de merde où s'installer. Bon, alors on s'en va buter Jesse. Je sais pas comment ils vont réagir après ça. On va sûrement se faire bannir de Sharon Mike avant même d'être niveau 3. Enfin! J'aurais jamais les meilleures armes du jeu. Ouais. J'ai bien cru y rester plusieurs fois. Ouais, à ce propos, désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'étais plus senti aussi vivant depuis... Bah... Merde. Tu te rappelles quand cette horde nous avait coincés à Tumalo? On n'en a pas terminé. Ça, c'est pas bon signe. Pourquoi j'ai l'impression que Boozer... Il va y arriver quelque chose. On a dit combien on en a tué? Aucune idée. Et puis, il l'avait mérité, pas vrai? Ça, ouais, il l'avait mérité. On l'a eu tous froid. Je pense que j'ai un mauvais pressentiment avec toute cette histoire-là, là. La crainte fait frétiller ma moustache. Bon, on dirait qu'il faut continuer à pied à partir d'ici. Tu restes là, pour empêcher les Reapers en vadrouille de me piquer ma moto. Ouais, je crois qu'on n'a pas à s'en faire pour ça. Putain de merde. Tout ça, c'est la faute de Jesse. Il veut une vengeance. Je vais lui redonner de la vengeance. Viens, on va vers le chalet. Je t'ai dit. Je te suis. La vache. Ça devait ressembler à ça après le déluge. Une fois la terre lavée des pêcheurs.
Ouais, sauf que Dieu a rien à voir avec ce déluge-ci. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et merde, d'autres Reapers. Comment ils ont fait pour survivre? Oh, ils le savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Dick! Sur la gauche! La gauche! On s'en fout de la gauche. Hé! Par ici, fils de pute! Je suis le carburant! Lol. C'est ma tort! Ils font tout le temps BRR, ceux-là. Je suis touché! Vous tirez comme des filles. Ouais, c'est bien une brute. What? Pourquoi? Vous gardiez une brute chez vous? Là, ils sont pas mal en train de mourir, là. Moi, je la laisse faire, hein. J'adore voir les méchants s'entretuer comme ça. Et ça, là-bas, c'est quoi? C'est un zombie ou c'est un gars? Oh, on dirait un gars, hein. Bon. Voilà. Oh, venez, bande d'enfoirés ! Amenez-vous ! Mort. Oh, il lance des... Oh. Il lance des attracteurs, c'est pour ça. Ah, brillant, 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 brillant. J'en ai besoin. Notre dos est correct. Ok, on ne sera pas attaqué par une mini-horde comme... je sais plus c'était dans quel épisode où je me battais contre un campement de maraudeurs. Les zombies sont juste apparus derrière moi. J'étais comme... Il me semble qu'il y a des zombies derrière moi. Je me tourne. Il est en train de traverser le pont. Ça, ça va être le highlight de ce let's play-là. C'est le moment que j'oublierai jamais. Qu'est-ce que tu crois? Il prend le dessus! Arrêtez-le! Oup, 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 oup. Je te couvre! T'es coup de feu! Voyons! Ok, c'est bon. Il est touché! Qu'est-ce qu'il fait? Mais Boozer, tu le tues ou tu le tues pas? Bon, il le tue pas. La délivrance! La délivrance! Marche arrière, pip, pip. C'est le dernier. T'es prêt à retrouver Jesse? Tu trouves pas qu'ils ont l'air plus barrés que d'habitude? Bah là, ils viennent de voir tous leurs amis mourir. Hein. Ils ont dû sniffer la fin de leur stock de cam. Où ça, effectivement? Ça reste une probabilité. Bon. Excusez-moi. Voulez-vous acheter nos biscuits? Ouais. Tu vas pas réussir à monter avec moi. Ouais. Et merde. Là. Attends. Je vais t'aider. Bon, écoute. S'il m'arrive quoi que ce soit, il y a un sentier pas loin. Il faudra non, que tu... Non, 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 écoute. C'est pas Carlos à qui on a affaire, là. C'est pas le chef du RIP. C'est cet enfoiré de fils de pute de Jesse Williamson.
Une saloperie de crevure qui a eu que ce qu'il méritait. C'est clair? Alors maintenant t'y vas. Et tu crèves ce petit enfoiré de merde. Mais là... Qu'est-ce qui se passe, putain? Oh, il veut faire ça mano à mano? La révélue de renoncer, mon frère! Renonce maintenant! Ok, pas de problème. Ah, ok. Contraint de renoncer devant Jesse Williamson! Tu te souviens de mes derniers moments au club? Vous serez toi! Tu m'as maintenu pendant que Jack brûlait mes tatouages! Tout va bien, tout va bien! Tout est sous contrôle! Libre! Croyez-vous? Je savais! Hop! Qui vous étiez? Les Mongrels! J'étais l'un des vôtres! Ouais! Mais maintenant t'es mort! Oh! Oh shit! Tu vois les cicatrices sur ma peau? Ok. Boum! 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 Allez! C'est ça! Et voilà. C'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai la foi. J'ai la foi. Geek, qu'est-ce qui se passe, putain? La foi m'apparaît clairement. Ouais, je la vois aussi. Repose en paix, Jesse. C'est fait. Ouais. C'est fait. J'y serais jamais arrivé sans toi. Ça m'a fait du bien de revenir dans le No Man's Land. Mais j'avoue que... creuser toute la journée... arracher les mauvaises herbes... bah, c'était pas une si mauvaise vie, en fait. Ouais. Bon. Puisque Jesse est mort, il en reste combien à ton avis? Des gens qu'on connaissait d'avant? Aucun. Il reste personne, Boozer. Merde. Je suis désolé, mec. Ouais. Moi aussi. Allez, viens, tirons une seconde. Ouais. Ben là, maintenant que le Big Boss y est mort, qu'est-ce qui peut bien arriver après? Ça s'est fait vite, hein? C'était un petit peu précipité. Un petit combat au couteau. Il aurait pu nous tuer n'importe quand. J'espère qu'il nous reste des explosifs, par contre. Comme je l'ai dit... je sais que ça fait des années qu'on se parle plus. J'ai pensé que vu que mon Elisabeth était montée vous rejoindre, ça ne servait plus à grand chose que je m'égosille après vous. Et puis... quand la situation a dégénéré, j'ai pensé que vous étiez plus là. Ou que vous en aviez plus rien à foutre. Passez-moi l'expression. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour vous dire que je sais toujours pas. J'espère que vous êtes là. J'espère que... qu'on endure cette merde. Pour une vraie bonne raison. C'est tout.
Bon, on se reparlera une autre fois. Oh, Amen. Dick. Ouais, c'est Ricky qui m'a dit que je te trouverais peut-être ici. Oh, c'est à cause de ces foutus genoux. C'est pour ça que je prie plus depuis des années. Ouais, je suis pas du genre à aller à l'église. Tu peux t'asseoir, hein, tu sais. Même pas depuis le cauchemar qu'il y a eu à Sherman's Camp. Mais aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé récemment, je me suis dit qu'il était peut-être enfin temps. J'ai pas eu le choix, Mike. Oh, arrête, on a tous le choix, Dick. Jusqu'à ce qu'on meure. C'est eux ou nous? Ça se joue toujours entre eux et nous. Toujours. Et tu sais pourquoi on s'en sort pas? Parce qu'on n'a toujours pas compris que nous, ça regroupe tous ceux qui passent pas leur temps à se balader en putain de guenilles en essayant de nous bouffer. Ok, je vais te dire un truc. Que ça te plaise ou pas, le monde est ce qu'il est. Ouais, bah ouais. Et tes prières, ils changeront rien. La situation va pas s'arranger. Juste parce que t'en as envie, Mike. Non, c'est pas une question d'envie. Le monde, il est ce qu'on en fait, nous, tous ensemble. Collectivement. Je l'ai laissé partir. Schizo, il aurait pas eu droit à un procès équitable. Tu l'as libéré. Je lui ai dit de filer, de jamais revenir. Nom de Dieu, Mike, est-ce que t'as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Oui. J'ai empêché une tuerie. Et tu sais quoi? Je regrette pas une seconde. Pourri la moto. Ah oui, ouais, quand même. J'ai été distraite, mission d'histoire. Rouler jusqu'au lieu indiqué à 160 mètres. Ben, je pense qu'on va marcher, hein, puisque ma moto est là-bas. Alright. Bon, écoute, soignons-nous. Soignons-nous. Et allons-y. Très bien. Écoute, ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire. Bon, on n'a pas gagné de niveau de confiance avec tout ça. Ah oui! Il nous manque 10 000. Je me souviens. Aller chercher Sarah au travail pour une balade de la mi-journée. Oh, un flashback, une cinématique. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Mais j'aimerais bien éliminer le camp de débiles dans le coin à droite aussi, dans cet épisode-ci. Mais je sais pas, maintenant quoi, en fait? Il y a quelques mois, on était du côté de chez... Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on vient de boucler tout l'arc des Reapers, donc il reste quoi? L'histoire avec la femme, avec... Ah, oh, j'ai oublié son nom. Oh, quelque chose. O'Brien. Ah, il reste ça avec O'Brien. Peut-être que c'est pas terminé, le Nero, tout ça. Mais à part ça, je vois pas trop ce qui reste. Mais bon, moment de cinématique. Non, ça, c'est l'embrayage. Je sais très bien où est l'embrayage. Oh, tu veux que je t'apprenne comment faire ou pas? Ouais, mais l'embrayage, je sais ce que c'est. Bon, ok. Alors, je te laisse te débrouiller, hein, d'accord? D'accord. Ah, un souvenir d'une chicane, peut-être? La première chicane entre mari et femme. Hey! Vous pouvez pas stationner ici. Je viens juste pour chercher Sarah. C'est un Sarah, domaine oui. Privé. Faites demi-tour et fichez le camp. Allez! Ok. Hein? Dépêchez. Ouais. Oh.
Hey, vous savez quoi? Je pense que je vais l'attendre ici. Allez jouer les vigiles de supermarché ailleurs, soyez sympas. Ici l'officier Moore, on a un problème ici. Écoute, petit con, l'accès est interdit ici. Je t'ai déjà dit de dégager. Ok, écoutez... Hé, hey, hey, bouge plus, je t'ai déjà dit de dégager et que ça saute. Comme je vous l'ai dit, je suis juste venu chercher... Tu vois ce panneau, petit merdeux? Ah ouais, il est plutôt difficile à louper. Je suis autorisé à faire usage de mon arme. Oui, je sais lire, merci. Sale petit merde. Hé, hey, oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, désolé, mademoiselle Whittaker. Tout va bien, vous connaissez Jim. Cette tête de nœud? Oui, il est avec moi. Il est avec moi. Ah, désolé, je l'ignorais, viens. Madame. C'est rien. C'est moi qui suis désolé. L'autre. Eh, au fait, Jim. Ah, Ticon. Je suis pas avec elle. C'est elle qui est avec moi. Oui. Accroche-toi. Ah, les Américains. Pourquoi tu fais toujours ça? Je fais quoi? Jouer au petit con. Ah, maman. Oh, arrête, il a commencé. Non, mais t'as quel âge? Hé, hey, attention à l'embrayage. Faut donner une bonne accélération. Fais monter le contour. Je m'en sors. Ouais, je vois ça. On va où? De l'autre côté du barrage. Sympa, cette petite route tranquille, non? Quand tu conduis? Non. C'est toujours bon pour ce soir? Tu m'as dit que t'aurais peut-être un empêchement. Ah, merde, c'est vrai. Boozer et les gars veulent rendre visite à Jack, au pénitencier de Klamath. Donc tu me plantes pour aller voir un tolard? Jack, c'est pas n'importe qui. Je sais, je sais. Je te charriais. Ben, tu peux venir avec nous, hein. Jack, ben, on va apprendre que Jack, c'est le chef des maraudeurs, là, niaiserie de même. Oh merde, fais gaffe! Merde! Mais ils savent pas conduire aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Ils conduisent jamais du bon bord de la route. Oh mon sang. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis en moto avec toi, un camionneur essaie de nous faire sortir de la route. Oh putain, non, 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 écoute-moi, tu t'en es bien sorti. La plupart des gens auraient paniqué et envoyé la moto dans le décor. Oh, j'ai bien failli nous faire tuer, j'ai été... Non, je faisais non. pas attention et j'ai été distraite. Hé, hey, tout va bien, tout va bien. Respire, t'as rien. Attends une seconde, comment ça t'as été distraite? Oh, rien, juste des trucs au boulot, c'est pas important. Oh. Ok, bon. Je croyais que t'avais remarqué mon nouvel... écusson. Ton quoi? Non. Nomade? Attends, tu veux dire que tu quittes le club? Quoi, quitter le club? Non, jamais je quitterai le club. Nomade, ça veut juste dire que... Disons que je m'impliquerai moins à partir de maintenant. Dick, je t'ai pas demandé de faire ça. Non, je sais, et si tu l'avais fait, j'aurais refusé. T'es prête à remonter en selle? Ouais, enfin, non, mais je vais le faire quand même. Allez. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, c'est rien, je fais ce que je peux. Hé, hey, embraye, embraye. C'est comment on embraye? Oh, ok, oh, là, c'est mieux. Au fait, tu penses que tes parents sont là? Au mariage? Je sais pas. Vu que je vais m'éloigner un peu du MC, je me disais... Je doute que ça change quelque chose pour eux, Deacon. Mais tu vas leur dire. Si tu y tiens. C'est juste que... Je compte pas changer qui je suis, ni te demander de changer pour faire plaisir à mes parents coincés. Ok. Attention. Je les ai vus. Hé, hey, c'est pas la direction de ton boulot? Merde. Ils se sont rendus compte que quelqu'un avait volé le cart de golf. Ils viendront même si tu deviens nomade. Le cart de golf qui a disparu. Je sais pas. Ça doit faire un bail qu'ils auront pas mis les pieds dans une église. Et puis tu tiens vraiment à voir débarquer 27 Harley devant la petite église de Marion Fox? Ouais. En fait, j'y tiens même beaucoup. Ah, ok. Ah, donc c'était avant notre mariage? Mais ils sont pas venus, hein. Bon, est-ce que le cart de golf est réapparu? Apparemment non. C'est pour ça que la police est là. Trouver qui est le voleur de cart de golf. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'en sais rien. Mademoiselle, oui? Le chef a essayé de vous joindre. C'est urgent. Ah, c'est toujours urgent. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Entendu. Je dois y aller. Hey,
Ah, pardon. C'est rien, c'est sûrement juste une alerte incendie, rien de grave. Okay. Ou un patient zéro. Hein. Je t'aime. On s'appelle plus tard. Faut tout le temps qu'ils se mettent le monde à dos. Mais non, puisque c'était avant le mariage, ça peut pas être le patient zéro, c'est impossible. Je sais pas combien de temps c'est écoulé, mais... Laisse-moi, Ricky! Je suis désolée! Fais chier. Accréditation... O'Brien, ici Saint-John, répondez. O'Brien, c'est Saint-John, putain, mais vous allez répondre à cette foutue radio! Saint-John? Vous ne m'attendez pas à avoir de nouvelles ? Bienvenue au club. Bon, écoutez, la nuit où vous vous êtes tiré, vous m'avez dit que vous n'avez pas emmené de civils, seulement le personnel du Nero, des fédéraux et des gens accrédités. Je vous l'ai dit. La ferme, fermez-la et écoutez-moi. Sarah, ma femme, elle avait une accréditation. Elle avait son badge la nuit où je l'ai faite monter dans votre hélico. Je doute qu'il... Non, rendez-moi service et vérifiez. Sarah Irene Whittaker, elle bossait à Cloverdale. Elle avait une accréditation, elle faisait... De la recherche pharmaceutique. Enfin, putain, je sais pas, un truc dans le genre. J'ai pigé. Je vais voir ce que je trouve. Ok, cool. O'Brien, vous avez une dette envers moi. Oui, terminé. Le gars, il est en train d'essayer de renverser le gouvernement, tu sais. Il a à dealer avec les conneries à Deacon. Bon, ben comme je disais, on est rendu là. On est rendu à devoir dealer avec toute cette histoire-là. Bon, tout ça, c'est excellent, Mais cependant, moi, je vois un camp à éliminer. De toute façon, en sortant, ils vont me donner ma mission. Il y a aussi elle chez Tucker, mais ça me tente pas de me rendre jusque-là juste pour faire une petite prime. Oh, quoi qu'on a deux missions. Ah, on verra. On verra qui va nous appeler en sortant. On a manqué l'opportunité. Saint-John, ici O'Brien. Oh. O'Brien, vous avez du nouveau. Il faut que je vous voie en personne. Un petit instant, j'ouvre le portail. Bonsoir, O'Brien, dites-moi simplement ce que vous avez trouvé. Est-ce qu'elle est en vie, oui ou non? J'ai quelque chose à vous donner. O'Brien. Non, je vous ai transmis les coordonnées. Retrouvez-moi là-bas. Terminé. O'Brien. Comme un chien enragé, je sais pas. Fais chier. Mais mon... Nick, Iron Mike te cherche. Il a Dick. Boseman, écoute-moi. Dis-lui que je reviens. Je dois... Tu te souviens de ce que je t'ai dit? La nuit où Sarah est morte, le Nero, ils se sont tirés. Et ils ont évacué que leurs membres, les fédéraux et quelques personnes accréditées. Attends, Dick, de quoi est-ce que tu parles? Écoute, c'est sûrement rien, mais... Je dois régler un truc. Terminé. Ça y est, je peux rager en paix. On m'a volé mon... On m'a volé mes munitions! Regarde! Mon pistolet, il n'y a plus aucune balle! Puis mon sniper, il a disparu! Mais ta gueule! Merci. Même pas en rêve. Je vais pas écouter ces conneries. Mais quelle horreur! Arrêtez de jouer avec mon arsenal! Bon, moi, elle est réapparue, c'est déjà ça. Pour ce que t'as fait pour nous. Comment vous... Tous ces Reapers... Je sais que vous avez pas eu le choix. Il fallait les arrêter. C'est clair. Ouais, écoute, Blair. Je tire aucune fierté de ce que j'ai dû faire. Tu comprends ça? J'ai... Enfin, on n'a pas... Ils allaient venir, de toute façon. Oui, je sais. T'as pas à te justifier. J'étais là quand ils ont attaqué. Tu te souviens? Je sais pas, je dois juste être fatiguée. C'est tout. Ouais, je sais. Dick, reste bien sur tes gardes. Oh oui, t'inquiète. Parce qu'à chaque fois que je tourne le dos au jeu, ils me volent mes munitions, ils me volent mes armes. Bon, là, est-ce que vous allez encore essayer de me voler mon sniper? Mes munitions de pistolet? Non, c'est bon? C'est ridicule. Bon, allez. Voilà. Lui, il est poli, il laisse la porte ouverte. Ok, ça va recharger tout seul. Voilà.
Ok, bon. Fait que là, on a plein de monde qui veulent nous parler. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ah, rejoignez O'Brien. Bon. Écoute, allons éliminer le campement en premier. Commençons par cela. Let's go! Après ça, on va rejoindre O'Brien. Quoique, ah, ça risque d'être un petit peu trop long. Informations, quelles informations, O'Brien? Je ne sais pas ce qu'il peut encore avoir à dire. Intéressant pour moi. En même temps, c'est toi qui l'as contacté. Hein. Tu pourrais passer? Ouais, Eric. T'as besoin de moi pour un boulot, je l'ai fait. Ok, je vais venir. Terminé. Bonjour. Petite sauvegarde rapide. Excusez-moi. Je m'appelle Bacon. Deacon le Bacon. Stay the hell away. Il faut que je les tue tous. Jusqu'au dernier de ces enfoirés tueurs. Bon. Bon, bonjour. Quoi de neuf? Donc, comme je disais... Ferme-moi. T'écoutes-moi. Les autres. Les hommes approchent. Oui, nous sommes une armée. Hein. Nous sommes nombreux. Coince-le. S'il vous plaît, toujours. C'est impersonnel, hein, le loup, mais en même temps, c'est la guerre. Hein. Même le temps de dépecer un loup. Tout est bon. Ok, j'en entendais un gueuler. Bon, voilà. Bon, il est où le sniperino? El Sniperino, il est mort. J'ai regagné de la vie, je sais pas comment. Je t'ai mis de life il y a 2 secondes. Oh, c'est fini. C'est tout ce que vous avez? Ouais, j'en étais sûr. La prochaine fois, réfléchissez avant de tendre une embuscade. Oh, ben là, ils m'ont pas... Ouais, il devait en avoir un. Il suffit de le trouver. Ah, ils n'ont pas eu le temps de mettre en une embuscade, hein, Deacon. On est passé de... On fait tout en force, full infiltration, c'est compliqué, à... Je rentre dans le tas avec mon fusil d'assaut. Mettons que c'est pas le même gameplay qu'au début du jeu. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je faisais attention, je contournais les zombies, accroupis... Mais là, Deacon, il n'y a plus de temps à perdre. Là. Ok, est-ce que j'ai récupéré des trucs intéressants? Oui! Oui. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Utiliser, fabriquer. Des cocktails de concentration. Utiliser, j'ai tous les soins du monde. Parfait. Bon, c'est sûr que... Ouh! J'ai un autre plan. Ils verront rien venir. C'est sûr que ça vaut mieux.
C'est pas ça le bunker? C'est sûr que ça va mieux quand le jeu il te vole pas tes armes et tes munitions. Il est pas dans cette zone là. Attends. Si j'étais un bunker, je serais caché où? Ah, qui est pendu? J'étais comme. Il y a un dos de, à côté duquel je suis passé sans m'en rendre compte. Je savais bien qu'il y en avait une. Allez, Deacon. Qu'est-ce qu'on va trouver? Peut-être un plan pour fabriquer des cocktails de santé. Que j'ai encore jamais utilisé. C'est quoi ça? Une carte? Des notes? Impeccable. Ok. On est à 16 000 sur 25 000. Plus que 9 000, puis on est niveau 3. Batte de qualité. Ok. Ça sert à rien. Bon. C'est dommage parce que j'ai déjà plusieurs plans de battes de baseball. Avec les battes cloutées, les battes assis, les battes de qualité. Bon. Alright. Bon, c'est un petit peu décevant comme plan. Sinon, je peux retourner voir Ricky. Parce que j'ai peur, ça fait déjà une heure. Ouais, je pense qu'on va aller voir Ricky. Hein. Parce que si on s'en va parler à O'Brien, il y a des chances pour qu'on parte une cinématique puis que là il y a des missions, ça finisse plus. Donc je pense que ça va être pour le prochain épisode. Ça peut m'être utile. Un pied de chaise, non merci. Donc ouais, je pense que ça va attendre le prochain épisode. D'ici là, on va aller voir Ricky. Probablement qu'elle a un gars à tuer à quelque part. Là. Rien de bien impressionnant. Bon, où est-ce que j'ai laissé ma moto, moi, là, par là-bas? Hein? Parlant de pièces, j'en ai 20, j'ai tout ce qu'il me faut. Kill! Ben, c'est ce que j'ai fait, hein? Je me suis inspiré d'eux. Oh, attendez, j'ai un point de compétence, c'est vrai, j'ai oublié. Eh, où ma souris? Eh, là, ok. Je pars toujours ma souris. Toc. C'est dans survie et c'est... Vous redonne un peu d'endurance quand vous recevez des dégâts. Ça va être bien inutile contre les hordes. Parce que quand je manque d'endurance, puis que là, ils sont derrière moi, puis ils me tapent dessus, là, ça va me permettre de parcourir un petit peu plus. Après ça, j'aimerais beaucoup... Qu'est-ce qu'on a? J'ai déjà tout ça ici, hein. Tout ça ici... les dégâts des carreaux, non. Peut-être améliorer le cocktail de concentration, ça serait bon. Être plus précis en se déplaçant, je pense pas que ça soit utile. Les cocktails de concentration, ça pourrait être utile. Cependant, on pourrait aussi améliorer la mêlée. Hein? Capacité à réparer les armes de mêlée avec de la ferraille, c'est pas... Montre la récupération initiale, la durée du cocktail d'endurance. Ah, on pourrait améliorer le cocktail d'endurance aussi. Je pense que ce serait plus utile que d'améliorer le cocktail de concentration. Je pense que, ouais, on va commencer la mêlée. On va améliorer le cocktail d'endurance. Régénère l'endurance à chaque ennemi tué au corps à corps. Écoute, il y a des trucs intéressants, hein. On est déjà allé chercher l'essentiel, donc à partir de maintenant, on peut aller chercher du bonus. Je pense que, ouais, dans l'arbre de corps à corps, il y a des trucs pas mal intéressants maintenant. Notamment l'amélioration du cocktail d'endurance, là. Ça me fait penser, lors de l'épisode de la Méga Horde, je sais pas, j'ai pas encore lu vos commentaires parce que l'épisode n'est pas encore sorti au moment où je tourne ça. Mais l'épisode où je me suis tapé la Méga Horde à la série, là... J'avais l'impression que les cocktails d'endurance étaient moins efficaces, mais en fait, en y repensant, je pensais que c'était une histoire d'addiction, ben, pas d'addiction, mais de
d'accoutumance, voilà. Sauf que, en réalité, en y repensant, peut-être que c'est parce que j'ai augmenté justement la grosseur de ma barre d'endurance. C'est pour ça que les cocktails d'endurance, ils sont moins efficaces. Et c'est juste proportionnel, tu vois. C'est comme quand tu augmentes ta barre de santé, en fait, les objets de soins, ils ont l'air de soigner moins qu'auparavant, mais en réalité, c'est juste parce que tu as plus de points de vie. Je le connais. Ils ont déjà réparé pas mal les dégâts, hein. Bon, les vitres sont toujours pétées. Là-bas, il devrait avoir des trucs en feu, là. Bon. Qui c'est qui a tué qui, là? Mitchell était en mission de ravitaillement au nord-ouest d'ici, quand des drifters sont tombés sur son groupe. Ils les ont suivis jusqu'à un camp au nord de Melaqua Lake. Ok, et Mitchell et les autres, ils ont réussi à les buter? C'est pas des drifters, Dick. Et Mitchell, c'est qu'un gosse. Je suis même pas sûr qu'il sache se servir d'un flingue. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans le No Man's Land, alors? Écoute, j'ai besoin que tu t'en charges. Lost Lake a besoin de toi. Ok, ok. Je vais m'en occuper. Merci, Dick. I need you in the Lost Lake Army. 1 kilomètre. Allez, easy. On fait ça, on se laisse là. Puis au début du prochain épisode, on s'en va voir O'Brien. Ah, les maisons sont toujours... Ça a bien brûlé. Oh. Allons-y. Check-le. Et... Oh non, il est pas tombé. Il s'est pas garaché dans la boîte. Si on va recroiser Lisa, hein? Je pense que oui. Honnêtement, je pense qu'on va la revoir éventuellement. Je pense pas que ça soit terminé. Avec le GPS, what? Qu'est-ce qui se passe, le GPS? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut que je passe par là? Ah, c'est des gens qu'on doit sauver. Ah, ben, il est mort. Ah, ben, tant pis, hein. Il y avait une plaque, là-bas. Allons lire la plaque. Je voulais sauver l'individu. Yep, hop, hop, on danse. Voilà. Bon, j'étais venu sauver un individu, mais il est mouru. Ils ont l'air nombreux, hein. Ah non, ils sont pas nombreux. Oh, il s'est caché à l'intérieur, c'est pour ça. Bonjour. Auriez-vous vu un individu? Non, il n'y a aucun individu ici. Bon, ok. Là, je peux ouvrir ça, moi, là? Bon... Tout était barré avant. Excusez-moi! Bonjour, oui, je m'appelle Bacon, Deacon the Bacon. El Sniperino. Ok, je suis à Melaqua Lake. Ouais, il y a bien un camp de drifter ici. Tu peux t'en charger? Ouais, pas de soucis, terminé. Allez, l'heure est venue pour le bagage. Où tu te caches? Tiens, arrête-le! Tiens, arrête-le!
Ouch. J'espère que tu vas pas. Oh si, merde encore. Bah oui, on en a juste tué la moitié. Deacon. C'est pas terminé. Le plaisir ne fait que commencer. Je le vois. Ne laisse pas tirer. Bonjour, messieurs. Qui me tire au shotgun là? Oh, je regagne de la vie en... Voilà. Je regagne de la vie en tuant du monde. J'avais oublié, j'avais débloqué cette compétence-là. Je me demandais comment ça se faisait, je gagnais de la vie. J'avais oublié cette compétence. Bon, ben le dude s'est fait bouffer par des zombies là-bas. Tout est beau, tout est bon, c'est un camp temporaire, il n'y a pas de bunker. J'ai plus qu'à dire à Ricky que c'est réglé. Ricky, c'est réglé. Je suis occupé du camp de Drifter au nord de Melakolek. Merci, Dick. Je vais dire ça à Iron Mike. Oh, et pense à dire à Mitchell qu'il peut retourner jouer dehors maintenant. C'est qu'un gosse, Dick. Ouais, bah s'il veut pas crever avant de devenir un adulte, va falloir qu'il apprenne à servir d'une arme. Ouais, t'as raison. Je vais commencer à l'entraîner. Merci, Dick. Oh non, un piège à bruit. Excusez-moi. Oh oh. Oh. Bon, allons-y. Allons nulle part. On va terminer l'épisode ici, en fait. Bonjour. Apparemment, vous payez pas vos impôts, hein? Dick, tu me reçois? Ici Dostlake, réponds. Ouais, Mike, quoi de neuf? Ricky me dit que tu t'es chargé du camp de Drifter au nord de Melakolek. Ouais, ils nous poseront plus de problèmes. Hey, Mike, ce gosse, Mitchell, faudrait mieux qu'il évite de partir en mission, tant qu'il sait pas se débrouiller tout seul, ok? Ouais, bon sang, je vais m'en occuper. Merci, Dick, terminé. Bon, bah, apparemment, j'ai réussi à le sauver. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de dire. Bon, bah, c'est tout pour cet épisode de 22. Dick, et quand t'auras le temps, tu pourras passer au camp? Faut que je te parle. Hey, salut, Ricky. Ouais, ok. Je fais un saut, terminé. C'est bon? C'est bon. Donc, j'espère que cet épisode, je crois que c'est le 22e, hein, de Days Gone vous a plu. On a bien progressé. On s'est vengé de Carlos. On a fini avec les Reaper. Bon, on va commencer par ça au prochain épisode. Avant d'aller voir O'Brien, on va commencer par ça, ouais. Donc, on commence ça, on s'en va voir O'Brien. Parfait! Ça me semble être un excellent plan. J'espère que vous approuvez. Si c'est pas le cas, eh ben tant pis. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est cas, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!